Je m'attendais pas à ce que le volcanologue, c'était quelqu'un qui grimpe des montagnes et qui plonge sa main dans la lave pour ramasser des boues. Bon, ça c'est ça, je pense que j'étais conscient que c'était une vision pas réelle du volcanologue. Bon, dès que j'ai vu le film de Crash, bah, j'ai lu des bouquins. Bon, petit à petit, j'en ai appris un peu plus sur le développement. J'en apprends encore tous les jours, maintenant, en lisant les publics qui sortent et tout. Bon, non, j'étais plus attiré par le côté scientifique que par le côté aventureux. Ouais, ça c'est sûr. Bon. Après, j'ai découvert tout le reste, la beauté, l'aventure. Enfin, c'est un tout, les volcans. C'est pour ça que c'est si fascinant, à mon avis. Maintenant, c'est un peu comme avoir la chance de vivre la vie que je rêvais quand j'étais petit, donc c'est le paradis. Sauf quand les instruments marchent pas, alors c'est le cauchemar. Mais c'est des cauchemars au paradis, quoi. Mais là, ci stringevo si qua. Non troppo. Due pedali per i piedi. Mais bon, c'est la première fois qu'on l'utilise. C'est un peu une mission test, donc... Il y a une deuxième mission qui est prévue pour juin prochain, l'année prochaine, et là on aura tout bien fait, tout bien préparé. Donc le petit bricolage, c'est pour brancher le mini télescope de la fibre optique, de l'attacher à la caméra de façon à ce que l'axe de visée du mini télescope soit parallèle à l'axe de visée du capteur 2D, pour pouvoir vraiment bien localiser la mesure ponctuelle qu'on fait avec le spectromètre sur l'image qu'on a avec le capteur 2D. Dans mon souvenir, j'ai jamais senti le soufre du volcan à Piano Provenzano. Il faut vraiment à la fois un dégazage intense. En ce moment, d'après l'INGV, on est à 5-6 000 tonnes par jour, ce qui est beaucoup. Et alors il faut aussi du vent assez fort pour rabattre le panache le long du volcan, le long de la pente du volcan. Ah là, ça sent. Ouais. Ah ouais. Alors, le but de la manip maintenant, c'est vérifier l'alignement entre le télescope du spectromètre UV et la caméra. Entre utiliser la caméra au labo, la tester au labo et la tester de nuit par 5 degrés maximum et du vent, c'est... Il y a une différence, hein. Alors l'ordinateur, il pilote la caméra et il pilote et alimente le spectro, tous les deux par câble USB. Il fait les acquisitions d'images aussi et il stocke les images et tout. Ouais, en fait, merde. USB device not recognized. Has malfunctioned. Not recognized. Bon, c'est une... It sounds like there is a problem with the interface board. The camera will have to come in for repair. Let me know if you would like to send it in. Best regards. Quand je suis rentré dans l'équipe TASIEF, je suis rentré comme Sherpa parce que j'étais beau alpiniste, spéléologue, skieur. Et Pierre Bichet, il recrutait au Club Alpin Français des porteurs qui aidaient les scientifiques sur les volcans. Et j'ai été recruté comme porteur.
Et puis comme j'avais un goût pour la géole, finalement, Taziev, au début, voulait que je fasse la carte géologique de Vulcano. Puis finalement, il m'a envoyé en Belgique travailler avec Ivan Elskens sur les gaz volcaniques. On allait très souvent sur l'Etna et Vulcano pour tester nos appareils. Puis après, on partait sur d'autres volcans. Le Nyiragongo, l'Ertale, etc. C'est-à-dire que c'est Taziev qui me donnait mon travail. Quand on a inventé le chromatographe aux fosses gazeuses, il y a une réunion chez lui, dans l'île Saint-Louis, et les ingénieurs de l'équipe disaient « Oh non, vous n'avez pas inventé un nouvel appareil, tous les appareils existent, ils sont tous faits. » Puis Taziev, à l'époque, il a dit « Ben, moi, je connais pas grand-chose en chimie, donc je donne la confiance à Fanfan, à Bicocchi, à Dédénol, et je vous finance pendant un an pour faire un prototype. » Et le prototype, on l'a fait en 3 semaines. Et une fois que le prototype a été fait, on est allé l'essayer sur Vulcano et ça a marché. Donc la carrière de notre Taziev, il l'a résumé lui-même en 3 grandes étapes. 48, 58. Il s'intéresse surtout à la composition des laves, à la minéralogie, à la pétrographie. On sait très bien maintenant que la différenciation de la composition chimique des laves est importante pour caractériser un certain nombre de dynamismes éruptifs. Et puis, il prend quand même rapidement conscience de ce que, par l'observation, de ce que les gaz ont un rôle manifestement important dans le phénomène éruptif et qu'il s'agirait de pouvoir l'étudier. Et donc, dans le courant des années 50, il va chercher des copains dans les labos qu'il connaît, qui sont d'excellents chimistes, notamment à l'ULB, et puis en Italie, et il les amène sur les volcans actifs, ces savants. Parce que lui, il n'est pas chimiste, il est géologue, c'est un scientifique, c'est un ingénieur des mines, c'est un ingénieur agronome, c'est un ingénieur géologue, mais il n'est pas physicien, il n'est pas chimiste, il n'est pas magnéticien, il n'est pas tout ça. Et donc, il comprend assez vite qu'il faut amener des compétences scientifiques dans des domaines précis sur les bouches actives. Deuxième grande période de son activité scientifique, telle qu'il l'a décrit lui-même, grosso modo fin des années 58, fin des années 60, vers 68. Et là, il se concentre essentiellement avec ses équipiers sur le chimisme, sur l'analyse, la composition des gaz, avec ce très gros souci que ces gaz, ben, quand ils sortent, ben, ils se combinent rapidement à l'air, à l'eau, de l'atmosphère. Et puis qu'en se refroidissant, ben, tout peut varier, les données changent, qu'il peut y avoir aussi des réactions de ces gaz extrêmement chauds et parfois très acides avec les éprouvettes dans lesquelles on s'efforce de les emprisonner ou d'en emprisonner une infime parcelle pour pouvoir l'analyser en laboratoire, et qu'il y a là un certain nombre de processus qui peuvent se passer et qui pervertissent l'observation et donc vont compromettre les hypothèses que l'on pourrait avancer. Donc le gros problème consiste d'abord à pouvoir approcher les bouches actives d'où fusent des gaz à plus de 700 à l'heure et à parfois près de 1000 degrés, puis aller mettre un thermomètre dans le derrière d'un tel malade, c'est pas évident. Surtout quand les gens qui sont chargés de le faire ne sont pas des baroudeurs ou des alpinistes ou des boxeurs ou des gars baraqués comme lui qui n'avaient pas trop peur des risques à partir du moment où ils pouvaient les évaluer, mais des professeurs tournesol qui sont dans leurs éprouvettes dans les labos et puis que se tailler un chemin à la machette dans la jungle avec 35 kilos sur le dos, ils étaient peut-être pas taillés pour, puis ils n'avaient pas prévu que leur carrière se déroulerait comme ça. Alors les amener à le faire, c'était déjà un petit exploit. Et puis pour ces gens-là, pour ces savants-là, surmonter une peur terrifiante, une angoisse terrible de devoir affronter ce genre de truc, mais enfin quand même un petit peu rassuré par l'expérience de Garouk et de quelques-uns de ses copains, comme Fanfan Le Guerne par exemple, eh bien ces types avaient un courage extraordinaire à être complètement passionnés, pris par leur recherche, dans des conditions extrêmement dangereuses, très toxiques, et puis à concevoir les premiers appareils, les premiers outillages, puis après les perfectionner, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on puisse réaliser des mesures éventuellement par télémétrie, mais aussi des mesures en continu, et que toute la volcanologie moderne qui s'est développée à partir des années 70, des années 80, elle l'aurait à tous ces gens-là redevable de tout ce que les scientifiques ont pu produire au-delà. Non, ben le chromatographe, il n'est pas là. Il est dans le hangar ou dans le camion.
T'as une cocotte minute, là, le premier prototype. Là, il y a les deux fours qui chauffent. Ça, c'était le premier proto. Là, il y a la cellule du détecteur. Puis là, il y avait un morceau d'alu qui était chauffé, dans lequel on aspirait le gaz. Puis ça, c'est toute l'électronique. La raison pour laquelle j'ai inventé un chromato, c'est que quand on était à la soufrière de la Guadeloupe en 1976, avant, avec des ingénieurs du CEA, on avait étudié des lacs de lave, comme Alertal. Et quand on avait un contact avec le magma, on trouvait du SO2, du dioxyde de soufre. Quand c'était des fumerolles, on avait de l'H2S. Donc le modèle, c'était, si c'est du SO2, c'est le magma qui explose, et si c'est de l'H2S, c'est fumerolien, il n'y a pas de danger. Je trouvais un jour du SO2, le lendemain de l'H2S, le surlendemain du SO2, alors j'aurais pu téléphoner au préfet, ça va péter, ça pètera pas, ça pète. Non. Je me suis dit, y a un problème, probablement, avec la méthode de prélèvement ou avec le modèle. Ma femme était partie, puis j'avais un copain, sa femme avait un copain aussi, il dormait dans sa voiture, donc il est venu habiter ici. Et puis comme c'était un fabricant de chromatographes, on fabriquait dans la cave un prototype sur une cocotte minute. Mais quand on a proposé le prototype au CNRS, c'était Treuil à l'époque, et il ne croyait pas du tout à ce qu'on faisait. Mais on avait déjà fait le proto et on faisait l'analyse. Alors il était rentré dans le labo, il disait « Oh, ben ça va pas marcher ». Puis je lui ai montré, voilà, ben, ça marche. Au début, quand Taziev s'est branché sur les gaz, il pensait qu'on pouvait prévoir les éruptions, parce que c'est effectivement les gaz volcaniques qui donnent le dynamisme d'une éruption volcanique. Et puis, on a beaucoup travaillé sur les gaz, on a beaucoup avancé, et finalement, la conclusion aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas prévoir les éruptions à partir de l'étude des gaz volcaniques. Hein, on peut prévoir... En étudiant la géologie d'un lieu, on peut prévoir une éruption à plus ou moins 500 ans. Mais à l'échelle humaine, non, 500 ans, c'est pas l'échelle humaine. Ah, misère de misère. Ben c'est triste parce que là, couplé caméra, spectro, c'était de la bonne science, tandis que maintenant, la mesure de spectro tout seul, c'est ce que tout le monde fait, quoi. Donc c'est rien de nouveau, quoi. Puis on va en profiter aussi pour tester les standards, les cellules de calibration de SO2. Parce qu'elles ont été testées en labo, mais comme on a vu hier, entre le labo et le terrain, il y a... C'est pas la même chose, donc on va les tester sur le terrain aussi. Mais le vent s'est beaucoup levé depuis, hein. Depuis tout à l'heure, le vent a doublé depuis tout à l'heure. Je suis malheureux. Si je trouve quelque chose au pied d'un volcan, un travail de volcanologue au pied d'un volcan, je serai content, je signe dès demain et je vais là, quoi. Indonésie, je serai super content. Guatemala, très content. N'importe où où il y a des volcans actifs. Pour faire avancer la science sur le terrain, ouais. Parce que j'aime le terrain, hein, même si c'est plein d'imprévus, pas toujours rigolo, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire la volcanologie. Ouais, je pense qu'il y a un peu de SO2, mais je peux pas dire ça comme ça, faut faire ça au clair, au calme. Bon, je pense qu'on peut redescendre.
Bah, donc ça, c'est le spectre, du rayonnement qui est capté par le, spectromètre. Donc c'est essentiellement le, bleu du ciel. Voilà. Et donc, le SO2 fait les creux et les bosses qu'on voit à l'écran. Je la mets, je l'enlève, je la mets, je l'enlève. Ouais, est-ce que c'est convaincant? Pour moi c'est encore compliqué, mais dans 5 ans ce sera de la routine. Du tout, pour le moment il vient du. Hier il venait du nord-est, maintenant on est au sud-ouest. Ouais, sud-sud-ouest. Il y a trop de brouillard, ça va pas. On se casse. Ouais. Rue d'apprentissage. Questa casa là non dovrebbe essere qua sul territorio. Le but de la caméra donc c'était pour valider les images satellites. Le satellite prend une image dans l'infrarouge du volcan. Moi je suis sur le volcan, je prends une image dans l'UV. Je compare les mesures de SO2 faites dans l'UV avec la caméra, avec l'infrarouge du satellite. Avant de faire une campagne comme ça, il faut avoir testé la caméra avant. Pour pas avoir le genre de problème qui nous est arrivé il y a une semaine. Un volcanologue sans instrument, pour moi, c'est pareil à un touriste, parce que sans instrument, on sait pas faire de science, quoi. L'observation du volcan, ça ne suffit pas à la compréhension. Ça ne suffit plus. L'image du volcanologue était un peu stéréotypée, par, mais ça vient du développement de la science elle-même, hein. Collé à l'image de Taziev, c'est-à-dire le baroudeur des volcans. Voilà. Un volcanologue, c'était un baroudeur des volcans. Bon, les Kraft, Taziev, effectivement, voire Bardantsev, bon, privilégiaient cet aspect-là. Mais ça collait avec aussi le développement de la science, qui était encore une science d'observation. Stromboli, c'est pour nous, c'est un labo formidable, c'est un volcan suisse, hein, il fait éruption toutes les 10 minutes, un volcan suisse en Sicile. Effectivement, cette régularité nous a toujours intrigué tout le monde et nous a permis, grâce à, justement, à l'avènement d'instruments plus compacts, ces fameux spectromètres infrarouges à transformer de Fourier, bon, qui permettent de mesurer à distance, là ici quelques centaines de mètres, la composition des gaz chauds, des gaz magmatiques qui sortent du volcan. Quand c'est un dégazage calme, c'est-à-dire ça fume tranquillement, ou même pendant les explosions. Et on a pu montrer grâce à ça que la composition du gaz qui est la force motrice des explosions était différente, bien sûr, de la composition du gaz qui sort du magma de manière calme, même s'il fait un peu comme une locomotive et du puffing, ce qu'on appelle en anglais, de bouffer. Et nous, on a montré en fait que ces grosses bulles qui font les explosions remontent de au moins jusqu'à 3 km, remontent très vite dans les conduits, puis quand elles passent dans une espèce de bifurcation des conduits assez superficielle, à 250-300 mètres sous la terre, là, il y a une espèce de dilatation, de changement de régime qui fait cette explosion, ce tremblement de terre d'explosion. Voilà. Donc c'est juste, c'est un joli exemple, Stromboli, ou ce travail qu'on a pu faire, là, qu'on a publié dans Science il y a 2 ans, qui montre qu'on peut obtenir, en mesurant la composition des gaz, c'est la force motrice, hein, des éruptions et des volcans, qu'on arrive à avoir des informations qui sont, comment on pourrait dire, conservées depuis la profondeur. Et qu'on arrive à voir finalement presque plus profond que certains instruments géophysiques qui sont sur le volcan, qui d'habitude sont beaucoup plus puissants. Voilà, on y est.
3h30 du matin, un truc du genre. Et on va monter au Stromboli pour essayer d'avoir le lever de soleil en haut. La régularité de Stromboli, c'est une fable. Là, 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 tu vois. On est, comme il est parallèle à nous, on voit pas que c'est un anneau de fumée. Mais on voit. Tu zoomes fort. Les anneaux de fumée, c'est quelque chose qui est encore mal compris, sans doute parce que c'est pas fondamental pour la science. Mais ouais, c'est beau et je pense que ça nécessite, après la bouffée de gaz, il faut que ça aspire. Je pense que la bouche était obturée. C'est pour ça que les projectiles qui sont sortis, c'est du vieux matériel, il est brun. Il n'est pas noir comme les bombes fraîches ou rouges comme les bombes incandescentes, il est brun. C'est vraiment la bulle de gaz qui fait exploser le bouchon. Comme les vents n'est pas très profond, ben ça sort et puis une fois que ça sort, c'est fini. Tandis que les jets, je pense que les jets dure genre 30 secondes, 40 secondes, c'est parce que la bouche est petite et donc la bulle met du temps à sortir. Après quelques accidents assez graves qu'il y a eu de volcanologues qui étaient descendus dans les cratères pour mesurer les gaz ou pour faire d'autres manips, il y a eu toute une réflexion, le limiter les risques. Que d'une part, c'est plus sûr pour les volcanologues et d'autre part, ça développe des méthodes qui sont applicables même quand le volcan est sur le point de péter et que c'est insensé de faire des mesures dans ces conditions. Donc, on a dit, bon, beaucoup développé la sismique, que ça, t'as pas besoin d'être au bord du cratère pour faire des enregistrements sismiques. Et alors, pour les gaz, qui sont quand même quelque chose de très important, voire indispensable pour la volcanologie, on a développé les méthodes de télémesure. Et c'est peut-être pour ça que les médias ne s'intéressent plus à la volcanologie, c'est parce que le côté aventureux de la volcanologie a diminué. Que maintenant c'est une science et que les médias, la science, ils évitent. Ils édulcorent quand il faut. On a vu les docu-fictions Krakato, Super Volcan, ils édulcorent. C'est la science en boîte!
les appareils qui n'ont pas marché et ceux qui ont marché un petit peu. Voilà. C'est fini. Apprenti volcanologue. Apprenti volcanologue. Dans la douleur. La volcanologie, c'est un sport d'équipe. Donc, les jeunes apprentis volcanologues, on peut être passionné et se lancer dans le domaine, mais on ne peut pas faire ça tout seul. C'est clair que on peut aller sur le terrain tout seul, on peut aller faire des mesures, avoir des idées, etc. Mais si on veut progresser dans la carrière, c'est évident qu'on travaille au sein d'une équipe. C'est vraiment un sport d'équipe. Et plus on a une approche... Plus on met ensemble des compétences multidisciplinaires sur un volcan, mieux on comprend. Enfin, on peut, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, la soufrière a changé énormément, tu as raison, a changé beaucoup de choses, fait prendre conscience de l'importance des difficultés de la communication entre les volcanologues, les autorités et la population, c'est clair. Taziev avait réussi à rassembler sur l'Etna une équipe multidisciplinaire, mais dans une quinzaine de domaines différents. Des gens qui venaient aussi bien d'Italie, nous y étions, mais également d'Angleterre et d'ailleurs. Et là, il y avait en particulier le directeur de l'Observatoire de volcanologie de la Soufrière, en Guadeloupe, qui nous a dit, vous savez les gars, je ne vais pas vous dire vraiment adieu, je vais vous dire au revoir, parce que la Soufrière s'est réveillée depuis 1975, et que manifestement, elle part dans une activité non négligeable. Et finalement, vu ce que vous faites, vu toutes les compétences réunies ici, ce serait sacrément bien de les retrouver à la Soufrière. Ça pète, le volcan pète. Catastrophe, panique. Taziev, qui est en charge de l'évaluation et de la prévention des risques volcaniques à l'Institut de physique du globe à Paris, est envoyé sur place. Il y envoie quelques-uns de ses collaborateurs, Le Guerne, Romarie Chevrier... Et puis il y arrive aussi, et il constate que ce qui s'est passé, c'est une éruption phréatique. Et voilà que, malheureusement, pour la population locale, une jeune chimiste ou géochimiste qui se trouvait là antérieurement à l'arrivée de Taziev et de ses équipiers, avait aussi fait quelques prélèvements, avait fait des lames, et en avait conclu, inexpérimentée qu'elle était, qu'il y avait du verre frais qui était sorti, du verre frais, c'est-à-dire du magma non cristallisé, c'est pour ça qu'on dit du verre. Et à l'issue de tout ça, nous, on est arrivé dans une situation déjà acquise, là. Il n'y avait plus personne dans la zone, 73 600 personnes avaient été évacuées. Donc voilà notre jeune chimiste qui découvre du verre frais là où il n'y en avait pas, donc du magma frais, donc un risque évidemment considérable. Et puis les autorités publiques... quand même très perplexe, puisque devant deux avis scientifiques opposés, quelle décision prendre ? Puisqu'on était censé donner un point, entre guillemets, si vous me permettez, un point magnétique journalier, eh bien, on a vu ainsi des variations, en différence de champ magnétique, des variations qui permettaient d'imaginer que dans les 24 heures, 36 heures, voire un peu moins, il pouvait y avoir une petite éruption phréatique. Le tout nouveau directeur, enfin supérieur hiérarchique de Taziev à l'IPG de Paris, le voilà qui dit à Taziev, tes résultats et ceux de tes gars, on n'en parle pas, vous n'en parlez pas, on va dire que c'est très dangereux et qu'ils vont évacuer, comme ça on aura des sous, et puis tu fermes ta gueule et je te garantis, il y aura des postes pour tes équipiers. J'interdis à quiconque de parler de cette donnée nouvelle, de cette information. Je m'en réserve le droit, je donnerai cette information lorsque je le jugerai utile. Pour des raisons financières, pour des raisons de poste, pour des raisons personnelles, on a modifier la vérité, on l'a transformé, on a, en d'autres termes, on a menti.
Alors, la population a été autorisée au retour mi-décembre. Mi-décembre. Ça se passait le 30 septembre. Ce sont des gens, des vies humaines, leurs misérables biens qui disparaissent. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et si moi j'ai toujours suivi Taziev, je crois que c'est parce que dans sa tête, à ce bonhomme, il y avait cet aspect des choses. Faire de la science, d'accord, mais on est là au service, je dis bien, au service de la population. On peut avoir des divergences d'interprétation, les signaux ne peuvent pas concorder ou donner les mêmes sens de risque, de prévision de risque. Donc les divergences sont légitimes, mais si tu les étales dans la presse, et si chacun va donner sa version, ça aboutit au cafardam qu'on a connu. Les responsabilités de dire on évacue ou pas, ça, bien sûr ça appartient aux autorités. Et après, la transmission de l'information au public dépend des autorités. Si les autorités sollicitent les volcanologues pour faire diffuser l'information, bien sûr, on sait faire maintenant. À l'époque, Taziev savait très bien faire, parce que c'était son métier, mais... ça aboutissait à des choses trop personnalisées. Ouais. Pour moi, c'est un 38 000 colones. Oui, le Touriaba fait plus peur que Stromboli. Ben, je sais pas, c'est un volcan qui est calme depuis 150 ans. Qui depuis 5-6 ans, il monte des signes d'activité, les fumerolles qui s'acidifient, des crevasses qui s'ouvrent, l'activité sismique et tout. Ça fait 5 ans de crise sismique, 5 ans de montée progressive du niveau d'activité. Et puis là, du coup, maintenant, qui dégaze 5000 tonnes par jour. Bon, c'est pas un comportement normal pour un volcan. Et moi, je comprends que les types ils soient un peu perplexes par rapport à ça et qu'ils veulent pas prendre de risques et qu'ils interdisent l'accès. Stromboli, l'activité Stromboli, on sait ce que c'est, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. De temps en temps, il y a une plus forte, mais statistiquement, le risque de se faire prendre est quand même faible. Donc, non, moi, je comprends qu'ils interdisent l'accès. Ouais. Il la détecte. Bon ben voilà. C'est un soulagement quand même. Hein. Non, j'ai pas trop raconté que c'était pour emmener sur des volcans parce que il dit ah mais si c'est des volcans alors la garantie couvre pas un truc du genre. C'est fait pour être connecté à un télescope dans un observatoire de jardin, hein, donc c'est pas fait pour être transporté à 3000 mètres d'altitude au Costa Rica. Donc ceci c'est une image prise à 330 nanomètres qu'on acquiert comme ça. Et on voit le panache absorbe peu. Et si je change le filtre, je mets le filtre 310 nanomètres comme ça. On voit très bien le panache sous forme d'une ombre ici. Donc c'est la lumière du ciel qui est absorbée par le panache. Et en faisant un rapport entre l'image à 330 et l'image à 310, on obtient une quantité de lumière absorbée. Puis il y a toute une opération de soustraction. Et alors, seulement alors, on aura la concentration en SO2 dans le panache. En plus, à mon avis pour le traitement de données de cette mission-ci, j'en aurai pour un mois.
point GPS, c'est très important parce que ça va permettre de calculer la distance entre le point de mesure et le point d'émission. C'est très important pour savoir, d'une part, à quelle dimension correspond un pixel de l'image, et après pour estimer la quantité de CO2 qu'il y a à l'intérieur d'un pixel et la vitesse du vent. Enfin, c'est très important. Ça tape hein, le soleil, j'ai mal à la tête. Il y a des très bons points d'observation et on va pouvoir bien travailler. Juste la météo qui est un peu difficile, il y a les nuages qui vont et viennent, et donc ça c'est un peu plus compliqué. Combien serez-vous ? Allô ? Combien serez-vous ? Allô ? Oui, ça marche pas, ça passe pas. Combien ? Oui, bon, ça va. Il n'y a pas de réseau. Moi je vais essayer de faire des mesures de gaz dans cette direction là avec la caméra SO2. On a le panache qui passe perpendiculairement à nous. On peut voir ce que ça donne. Je ne saurais sans doute pas avoir tout le panache parce qu'il y a une partie qui passe en dessous de la ligne de crête et donc on n'a pas le background du ciel, mais on peut tenter de la faire. Et en fait, il y a un évent fumerolien qui est très actif, qu'ils appellent El Domo, les Costaricains, et qui produit l'essentiel du panache qui passe là. Bon, on va mettre la caméra avant que les nuages arrivent. Et vous voyez, le panache, il a une couleur tout à fait différente hein, du Turrialba. Turrialba, il est bleu, ici il est blanc. En fait, c'est la taille des particules, la taille de l'aérosol. Au Turrialba, c'est des gaz de haute température, donc c'est des particules très fines qui réfléchissent la lumière bleue. Tandis qu'ici, c'est des particules beaucoup plus grosses parce que c'est un panache qui est riche en vapeur d'eau. Et donc, elles réfléchissent la lumière, enfin, uniformément, la lumière blanche. Et donc, le panache n'a pas du tout la même tête. Et derrière, il y a en plus les nuages qui sont en train de monter. Donc, j'ai plus de background qui me donne ma source de lumière UV. Donc, je pense que je vais remballer le matériel. En plus, le vent est en train de changer. Et j'ai pas envie de tester la résistance de ce truc au gaz corrosif. Donc, pas de mesure du POAS pour cette fois-ci. Tu vois, si on avait passé notre temps à manger sur la route, on serait arrivé trop tard, on aurait vu toute la vue bouchée. Du jour au lendemain, parce qu'on avait travaillé avec Haroun Taziev, on était devenus non seulement des parias, mais on était devenus des incompétents. Des gens qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ça, c'était l'image qu'a fait circuler, et qui circule peut-être encore aujourd'hui, d'un certain nombre de personnes de l'entourage de Taziev. Il faut quand même savoir que l'initiateur de la politique de prévention des risques naturels et technologiques majeurs, c'est le Taziev. Bon, et que là aussi, on ne lui rend pas cette justice. Or, on ne peut pas écrire l'histoire de la volcanologie contemporaine et donc d'une partie fondamentale des sciences de la Terre telles qu'on les comprend aujourd'hui, et on ne peut pas écrire l'histoire de la politique de prévention des risques sans mettre Taziev au cœur de cette recherche historique. Comme on veut l'extraire de ce domaine de compétences, ben, il n'y a pas moyen d'écrire l'histoire de la volcanologie contemporaine aujourd'hui, et il n'y a pas moyen d'écrire l'histoire de la prévention des risques, parce que ça signifierait remettre Taziev à la place qui doit être la sienne. Bon, alors, on commence par la Terre et Mars. Les Italiens ont mesuré la quantité de CO2 qui sort des Apennins, et ils se sont aperçus que c'était tout le CO2 qui sort des Apennins, c'était l'équivalent de l'estimation qu'on faisait des volcans mondiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus pollueurs sur notre planète, c'est les volcans. Donc tout ça, c'est des notions nouvelles.
Et c'est vachement intéressant de pouvoir les apporter au public. Voilà. Merci, docteur. Je voudrais vous apporter un petit complément, parce que j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter notre ami François Le Guer, 10 enfants. C'est pour moi, et je suis sûr de n'être contredit par personne, le volcanologue le plus expérimenté de la planète. Oh. J'ai pas dit que t'étais le meilleur. On était à l'Institut de physique du globe de Paris, jusqu'à la crise de la Soufrière en 1976. Et puis, quand il y a eu la crise de la Soufrière en 1976, Taziev a été foutu à la porte. Et c'est Jacques Labéry, qui connaissait Taziev parce qu'il avait fait la pierre Saint-Martin avec lui, qui nous a récupérés à Gif-sur-Yvette, au CNRS. Mais moi, j'ai continué à travailler comme ingénieur. Donc j'ai fait une thèse, deux thèses, mais je ne suis jamais passé chercheur au CNRS. J'ai été complètement coupé du fait que j'avais témoigné contre Allaire sur la crise de la Soufrière en 1976. Et finalement, ben, j'ai récupéré des crédits pour continuer à travailler, d'une part dans l'industrie, parce que finalement, les gaz à haute température dans les cratères de volcans, c'est les mêmes que dans les usines. Hein. Et puis d'autre part, par rapport à notre association d'expo itinérante. Là, les conditions sont bonnes. C'est parti. Sur la route en terre, je vois pas tout le panache. Si, on peut redescendre. On se disait que d'ici on était un peu trop le nez dedans, et ouais, non, on peut redescendre. Ça va bien. Oh, vu d'ici, on dirait des enfants qui. Mais on est comme des enfants devant un nouveau jouet. We are like young kids playing with a new toy. Ce volcan n'émettait rien comme gaz et depuis, je sais pas, un an et demi ou deux ans, il a commencé à émettre du gaz. Donc c'est une situation qui devient alarmante. Parce qu'on ne peut pas avoir de dégazage sans, je veux dire, du magma frais qui n'a pas encore été dégazé, qui remonte lentement vers la surface. Et donc on doit s'attendre à voir l'augmentation du flux au fur et à mesure que le magma remonte. Bon. Mais on ne pourra jamais, avec le flux de SO2, dire, bon voilà, on va avoir l'éruption demain ou après-demain. Bon. C'est le seul gaz qu'on peut mesurer en n'étant pas dans le cratère, donc en ne prenant pas de risque. Actuellement, je crois qu'on aurait difficile à avoir l'autorisation d'aller dans le cratère pour aller prélever du gaz à la source. Bon. Donc on s'est rabattu sur des mesures à distance. On peut faire ça juste même au moment où il y a l'éruption, sans aucun risque. Donc avant d'avoir ces outils à mesure à distance, on allait dans le cratère, on faisait des prélèvements de gaz, on regardait si la composition changeait. Moi j'ai commencé comme ça, avec des ampoules en pyrex pour prélever le gaz. C'est très pénible. Et alors ça donne une information sur les variations de composition. Donc ici, cette différence, ça donne une information sur la quantité de gaz qui sort du magma. Donc j'ai fait des missions pendant ma thèse avec l'équipe d'Azief, ça m'a permis d'acquérir l'expérience que j'aurais pas pu avoir en Belgique parce qu'il n'y avait pas de volcanologie, de recherche en volcanologie en Belgique à l'époque. Donc c'est ça qui m'a lancé. Mais j'étais basé à l'université de Bruxelles. Donc j'ai quand même j'ai fait toute ma carrière en Belgique, même si j'ai bénéficié de collaboration avec
les volcanologues français. Et sans cette collaboration, j'aurais pas pu faire de thèse, c'est sûr. Tout seul, ça n'est pas possible. Donc c'est difficile pour un jeune qui est encore aux études de trouver lui-même un sujet de thèse. Donc il doit avoir un patron de thèse. Et moi, grâce à l'histoire de la Guadeloupe, j'ai rencontré François Le Guerne, qui était un des spécialistes du prélèvement de gaz à l'époque. Et c'est avec lui que j'ai fait ma thèse, et c'est lui qui m'a permis d'avoir des échantillons. On est parti après au Merapi en Indonésie, j'aurais pas pu faire ça seul. C'est absolument nécessaire pour un jeune d'avoir un labo d'accueil pour faire sa thèse. Eh bien, le 30 août 1976, à la Soufrière, on montait sur le volcan quasiment tous les jours pour faire des prélèvements, pour étudier la façon dont le volcan réagissait. Et ça faisait 3-4 jours qu'il n'y avait plus du tout d'activité. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait une éruption. Et quand on est monté, il y a des journalistes qui voulaient venir avec nous. Je les renvoyais en bas en leur disant ça risque de faire une éruption volcanique avec des gros cailloux. Ils sont descendus. Quand on est arrivé au-dessus, il y avait Taziev, Allègre, il y avait des autorités aussi de l'Institut de physique du globe. Et on était au bord du gouffre avec José Ortega, le CRS avec qui je travaillais. Et brutalement, on a vu monter de la cendre, de la fumée et des paftons qui faisaient 2 à 3 tonnes et qui montaient 2 km 500 au-dessus de nos têtes. Et alors, on a eu beaucoup de chance. Taziev était couché dans la boue. Allègre, il était avec nous à côté d'un caillou. Taziev, on croyait qu'il était mort. Il était couché dans la boue, il ne réagissait plus. Et puis, quand l'éruption s'est arrêtée, eh bien, on s'est relevé. On avait été criblé par des éclats de pierres qui étaient tombées par terre. Puis, j'en ai un qui est rentré à côté du sciatique. Ça a traversé mon sac à dos. Mes lunettes étaient pétées. Enfin, j'avais ma combine qui était complètement arrachée. Et Taziev s'est relevé. Et finalement, on a commencé à descendre en s'appuyant. Moi, je m'appuyais sur Taziev parce que je saignais. Alors, on est arrivé au bas de la Soufrière sur le parking. Et puis là, il y avait des gens qui n'étaient pas encore revenus. Et on ne savait pas s'ils étaient morts. On a eu de la chance parce que personne n'a pris une grosse pierre sur la tête. Personne n'est mort. Ah, bonjour monsieur. On est sur le Turrialba. Et il fait pas très beau, il y a une chape de nuages. Mais je voudrais savoir, vous êtes à votre bureau là? Non, plutôt la webcam en fait. Maudit, c'est plus passé depuis avant-hier. Ah, ça va, merci. Il va rappeler. Non, parce que depuis une demi-heure, j'ai l'impression que ça a plutôt empiré. Plus de brouillard, on voit moins de volcans. Oui, au-dessus, le ciel est vraiment bleu. Ah. Bon. Alors, on va rester ici. C'est terrible, c'est terrible parce que il faut pas faire le mauvais choix. Hein. Ça sera une mauvaise mesure. Non, ça vaut pas la peine. Faire une mesure ici, ça vaut pas la peine. Bon, ben on balle. Ouais. Non, en fait, les radios, c'est jouer la sécurité un peu, hein, parce que les radios, il est au-dessus des nuages, tandis qu'ici, c'est un peu tangent. C'est bon ça.
satellite passe à 10h11, heure locale. Il est 10h04. Ça s'est couvert environ depuis 10 minutes. Et c'est l'inévitable météo crash. Il doit passer maintenant à peu près. Ouais, 10h11. À 20 minutes près, hein, à 20 minutes près, c'était bon. À 20 minutes. C'est la cendre de l'éruption du 4 janvier 2010 qui a ouvert la nouvelle bouche qui dégaze et qu'on essaye de mesurer depuis qu'on est arrivé. Bah, je vais essayer d'en ramener un peu, hein, comme ça on pourra faire une analyse au microscope électronique à balayage pour voir s'il y a des morceaux de. S'il y a des particules de magma frais dedans ou si c'est juste de la vieille roche broyée. Ça va être passionnant. Il faut absolument que je ramène. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con gusto. En 10 ans de volcan, j'ai pas eu autant de crash météo que ce qu'on a eu en 3 semaines qu'on a passé ensemble sur des volcans. Et quand on prépare une mission au labo, on imagine toujours les cas les meilleurs et souvent on a les cas les pires. En Sicile par exemple, on a eu à la fois la malchance pour le temps et la panne de caméra SO2, panne d'instrument. Ici, moi je peux pas considérer ça comme un échec parce que on a quand même eu la caméra qui a très bien marché. On a fait des bonnes mesures au Turrialba. On verra au labo combien de flux on a mesuré. Non, moi je suis content de mon expé quoi. Juste on n'a pas eu la mesure synchronisée avec Aster, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois à l'Etna ou quoi. Ça explique aussi pourquoi il y a si peu de cas de mesures satellites de SO2 ou de quoi que ce soit sur des volcans qui sont validés par des mesures de terrain. C'est vraiment extrêmement difficile à faire d'avoir des mesures simultanées d'un phénomène aussi capricieux qu'un volcan avec les aléas du temps qui compliquent encore, etc. Non, on a failli l'avoir, hein, pour un quart d'heure c'était bon, on avait la mesure synchronisée, on pouvait vraiment faire quelque chose de bien. On a eu beaucoup d'autres bonnes choses. Moi je suis trois quarts satisfait de cette mission au Costa Rica. La situation aujourd'hui, c'est que l'activité a un peu augmenté en fait. On a une augmentation de la production de cendres apparemment. Les panaches montent aussi plus haut. Ça peut durer tout à fait des mois. L'éruption précédente avait duré plus d'un an, je pense. Et comme on enregistre encore des séismes en profondeur sous le volcan, il n'y a aucune raison a priori pour que ça s'arrête bientôt. Quoi. Mais c'est pas une nouvelle éruption, hein. Donc l'éruption elle ne s'est jamais arrêtée. Oui. Oui. Bonne journée à vous aussi. Ah, ça faisait longtemps.
c'était quand? C'était il y a deux semaines, ça c'était pas possible quoi, c'était les télévisions, les radios, même des gens qui téléphonaient parce qu'ils devaient prendre leur avion, ils voulaient savoir quand ça s'arrêtait, ils voulaient savoir si c'était dangereux de sortir dehors parce qu'ils avaient de la bronchite chronique, enfin on avait vraiment de tout. Il y a même, ça c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Alain Bernard, il a eu quelqu'un qui lui demandait si c'était dangereux pour ses géraniums, les fleurs de sa... de ces bacs à fleurs, parce que à cause des pluies acides, évidemment. Hein, bon. Bon, c'est de la poudre. Oui, c'est très fin, c'est très fin. Tu veux une pince J'ai une plate avant. Ouais, mais les petits, c'est bien aussi. Hein. Oui, oui, mais les petits, on en aura tant qu'on veut, donc on va essayer d'avoir quelques plus gros aussi. Il y a quelques particules très blanches qui sont probablement des micro-hydrothermales. Du sous du système hydrothermal, ouais. J'ai aucune idée de ce qu'on va trouver, d'autant plus que j'ai pas vu le site. Il est dedans. Il y a quand même une grosse différence avec un microscope classique, c'est que l'image n'est pas une image réelle, c'est une image reconstruite à partir d'intensité de faisceaux mesurés. Donc c'est pas ce qu'on voit en réalité, et ça c'est important je pense de le préciser. Il ne semble pas être fort. C'est pas du magma frais. Fort alvéolé, ça ne semble pas être du magma frais. Donc peut-être un tout petit peu de plagioclase, enfin, quoi que ça c'est du fer, de pyroxène alors. Donc, mais ça reste vraiment mineur, ouais, donc ça semble être toujours des minéraux d'altération. On peut peut-être grossir un tout petit peu plus. Robin, il aime bien le magmatique. Si c'est pas magmatique, ça lui plaira pas. Non, celui-ci. Tu l'as acheté cet échantillon ou tu l'as reçu? J'ai reçu, pourquoi? Parce qu'il y en a parfois qui vendent des trucs qui n'ont rien à voir. Non, non. Mais voilà, Robin, t'aurais mieux fait d'aller en Islande, t'aurais eu du magma frais. Ah non! N'oublie pas de fermer! Dans ma thèse, j'en suis où? J'ai fini la partie de travail avec Aster. Donc, les algorithmes pour mesurer le SO2 avec Aster sont écrits. Maintenant, je commence à les appliquer pour de la recherche opérationnelle, donc pour mesurer le SO2 dans des cas concrets, dans des cas urgents, on va dire. Par exemple, pour l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande. Dans les deux jours après que l'image d'Aster soit prise, je lance mon algorithme dessus et en une heure, j'ai le flux de SO2 que le volcan sort. Bon, il faut savoir que ma bourse d'études, ma bourse de thèse se clôture en septembre. Donc à partir de septembre, si je continue à travailler, je ne suis plus payé. Bon, c'est bien quand on est millionnaire, mais je ne suis pas millionnaire, je suis volcanologue. Et donc, il ne faut pas trop traîner une fois que la fin de la bourse, parce que l'argent diminue, et donc voilà quoi. En juin, j'espère que l'algorithme pour traiter les données de la caméra sera au point. Et alors, une fois que là, il faudra tout mettre, tout rassembler, tout écrire, je pense que je serai prêt pour fin septembre. Celle-là, elle marche peut-être mieux que l'autre. Bonjour Catherine, ça va bien? Oui. Ça c'est l'équipement quand il est transporté. C'est toi qui m'as appris. Hein. Tout doit tenir dans une caisse. Oui. Ah ben, tout tient dans une caisse. La mallette noire là. Alors ça c'est quoi? Le panache du... Le panache du volcan Turrialba. Turrialba? Au Costa Rica. Ouais. C'est près de l'Irazu. Ah d'accord. Ouais. Et depuis janvier... Le SO2. Ouais, c'est ça. Depuis janvier 2010, il dégaze assez fortement. Et donc on a fait du SO2. Ouais, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et en fait, l'instrument qu'on a emmené là-bas, c'est comme un appareil photo sensible dans l'UV avec un système de filtre. Ça, c'est une série. C'est la première... série que j'ai traité, j'ai fini hier, il était à peu près minuit. Ah ouais? Je voulais absolument avoir fini pour te montrer ça. Si j'avais été là
seul en touriste, je serais monté de nuit en cachette et voilà. Ah bon? Mais là, c'est différent. Bon, vous n'aviez pas le droit d'y aller? Non, c'était interdit. Mais il y avait des barrières et tout. Quand c'était interdit, on y allait, nous. Ouais, je sais, mais... Tu veux voir le film sur SO2? Ouais. SF6? Ouais, 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 je voudrais bien. Oui. Ouais. Et voilà. Que nous savons que le CO2 peut présenter l'une des menaces les plus redoutables que les volcans fassent peser sur les hommes. Et, depuis, nous nous efforçons de trouver des techniques qui permettent de prévoir ce genre d'événement. Parfois, phénomène fort rare, des explosions chimiques survenaient. Les seules explosions véritables à se produire pendant une éruption, quelle qu'elle soit, car ce que l'on appelle couramment explosion volcanique, même lorsque la violence en est extrême, ce n'est jamais que l'échappement continu de gaz. Comme on avait entamé un certain travail ensemble, eh bien, Haroun Taziev nous a dit, bon ben voilà, on n'a plus notre place en France, eh bien on va essayer de trouver des volcans dangereux, on va essayer d'en trouver ailleurs, et ce n'est pas compliqué. En Indonésie, il y a un volcan qui est particulièrement dangereux parce que quelle est la notion de danger? La notion de danger, c'est la notion de présence de population. Et là, le volcan Merapi à Java est un volcan particulièrement dangereux parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes tout autour de ce cône volcanique qui culmine à presque 3000 mètres d'altitude, qui est aussi un volcan qu'on a tendance aujourd'hui à appeler un volcan gris, du type explosif, à lave andésitique. Hein, et il y a effectivement une densité de population absolument sidérante, sans parler de la ville de Yogyakarta elle-même, qui est à une trentaine de kilomètres de distance, et qui faisait à l'époque à peu près 700 000 habitants. Ça tous les 10 mètres, comme ça qu'on repère des failles, puis qu'on repère les anomalies sont très étroites, ça fait c'est 30 mètres, puis un grand pic. Bon, ça marche. Alors, sans se encadrer, ici on va mettre tout ce qui est 100%. Alors, on va lancer la mesure. Donc 15 000, c'est 1,5%. Ça, c'est de l'organique. Ça, c'est stable. Voilà, on est prêt. Je vois rien d'autre. Rose ! Rose ! Finalement. Bien, on va aller faire des mesures de SO2 avec la caméra en espérant que le temps reste dégagé et l'autre équipe va faire des mesures de concentration de CO2 dans le sol. Donc, on peut trouver une anomalie en CO2 pour une future installation d'un capteur automatique de CO2. Ah bah oui, c'est la modification depuis la dernière fois, c'est que maintenant il y a deux caméras. Au lieu d'avoir une caméra et un porte-filtre qu'il fallait switcher manuellement, maintenant on a deux caméras avec chacun son filtre et donc il ne faut plus toucher à rien une fois qu'on a lancé le système. Toute l'acquisition est automatique. Bah ouais, plus de la vapeur d'eau qui condense et qui fait toute cette fumée blanche, mais du SO2 en tout cas...
En première analyse ici, il n'y en a pas. Mais en se rapprochant, on diminue la limite de détection, donc on devient plus sensible au SO2 parce qu'il y a une dilution du signal avec la distance. Donc on va se rapprocher, faire des mesures de plus près, et là on verra si on en voit quand on est plus près. Et c'est de la phréato, c'est des débris mis en place. Quand il y a eu la phréato magmatique de 2002, il y a eu tellement d'activité sismique que le volcan, qui est très argilifié, il s'est transformé en argile, il s'est un peu liquéfié. Et donc il y a des bouts qui sont effondrés. Donc c'est pas celles qui font le plus de bruit qui sont les plus chaudes. On va voir le bâton. À mon avis, c'est ici le plus chaud. 312. Je gêne pas. Mais il vaut mieux avoir des longs pantalons parce que ça chauffe un peu les mollets. Comment cette manip mesure de CO2 Concentration de CO2 dans le sol. C'est allumé là? Oui, système test à l'échelle. Okay. Bon, on va attendre avant de... De l'allumer, je l'allume pas ça. Non, on va attendre. C'est quoi un système hydrothermal? C'est un gros réservoir d'eau chaude. Donc c'est chauffé par la chaleur du magma. Et c'est en général alimenté par l'eau de pluie. Et dans ce système hydrothermal, il y a beaucoup de réactions chimiques, il y a le fluide réagit avec la roche, donc elle transforme, altère la roche, et ce fluide hydrothermal peut aussi recevoir des gaz qui s'échappent du magma, c'est le cas ici, c'est pour ça qu'on a des sources qui sont acides, sulfates, riches en sulfate et en chlorure. Bon, alors, si on ne peut pas considérer que c'est comme une anomalie, donc c'est stable, ça ne bouge plus, donc on va noter 3400. Vous localisez avec le GPS? Oui, c'est ce qu'on doit encore faire. Je dois avoir des concentrations qui dépassent le pourcent, comme on avait avant l'éruption. Faut regarder là, s'il n'y a pas d'eau. L'avantage du CO2, c'est que c'est un gaz qui est le moins réactif. Par rapport aux autres gaz comme le SO2, l'HCl, l'HCl est extrêmement soluble dans l'eau, donc il ne va pas passer sous forme de gaz, il va être bloqué par le système hydrothermal. Le SO2 va réagir si on a suffisamment, que le débit est suffisamment fort. Il y en a un peu dans les fumerolles. Tu sais, t'arrives, on a juste la première anomalie. Voilà, 38 000. Stable? Oui, c'est stable. Bon. 3,8. Avec une erreur de 5%. J'en avais marre d'attendre l'éclaircie qui ne venait pas, donc... C'est là où c'est blanc que c'est le plus chaud. Ah bon. 318, je crois, elle a noté. Mais très respirable, donc ça... Il y a nettement moins de pression. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Ça, c'est clair. Oui, on sait bien, parce que j'étais pas sûr, vu les changements notables... Que ce qui est tombé lors de l'éruption n'ait pas formé une couche imperméable. Donc j'étais pas sûr de retrouver des anomalies. 80,5, ça a plus bougé. 6, 0,6, c'est le plus haut. C'est entre 5 et 6. 80,6. 80,6. La précipité, c'est pas mal, ça. Ouais. Et si, il a foutu son thermocouple dedans. Donc il y a énormément de sources qui bouillonnent, qui font du bruit, sont très spectaculaires. Mais ici, la particularité, c'est qu'elles sont à l'air libre, elles ne sont pas dans le fond d'un lac volcanique. Donc le travail du géochimiste, c'est prendre des échantillons, faire de l'analyse et essayer de comprendre quelle est l'origine, d'expliquer la chimie, comprendre l'origine de ces sources et d'écarter celles qui ne sont pas intéressantes.
avec les steam heated, donc les sources qui proviennent de la condensation de la vapeur d'eau, ça ne sert à rien de les échantillonner régulièrement, elles ne vont pas bouger en composition. Ça ne sert à rien de mesurer leur température, c'est la condensation de la vapeur. Celle-ci, c'est utile de mesurer sa température, et surtout sa chimie, certains éléments, notamment le chlore, pour voir si il se passe quelque chose en profondeur, s'il y a une remontée d'un magma frais qui est riche en gaz. On fait l'hypothèse qu'on va avoir un impact sur la composition du système hydrothermal qui se trouve au-dessus et que ça va se refléter dans cette source. Il y a un village qui est accessible que par cette route. Je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent pas de passer par un autre chemin. Qui est très critique en cas de problème parce qu'ils sont isolés. Ah oui, ils sont... Et c'est eux qu'on essaye d'évacuer dès qu'il y a une crise sismique. Alors, il y a d'abord le pH. Ouais. Moi, je peux faire les deux en même temps. L'eau du Papan Dayan. Alors, c'est rempli à ras-bord, donc ça va déborder. Toujours la même chose. Ah, ça sent la Joseph. 3,35. Alors, il faut passer en conductivité. C'est stable. 3,13. Moi, je ne peux pas dire que moi, je fais de la surveillance des volcans en étant en Belgique et en venant... une ou deux fois par an en mission sur des volcans en faisant des prélèvements ponctuels. Donc c'est les Indonésiens qui doivent eux-mêmes prendre en charge le surveillance. C'est ce qu'ils font déjà et les résultats sont déjà tout à fait probants. Donc ils parviennent à prévoir leurs éruptions. Mais on veut leur permettre d'améliorer les critères de certitude sur leur interprétation. Dans le cas du Papan Dayan, le problème principal... c'est qu'on assiste périodiquement, à peu près tous les ans, à une augmentation de l'activité sismique. Ils appellent ça des crises sismiques qui sont préoccupantes et qui parfois nécessitent d'évacuer une partie des villages qui sont situés les plus proches du cratère. Et actuellement, la plupart du temps, ces crises sismiques s'arrêtent après 15 jours, 3 semaines, voire un mois, et il ne se passe rien, il n'y a pas d'éruption. Et quand la crise sismique est importante, donc il y a des populations qui sont évacuées. Et puis, il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'éruption. Ils ont dit aux populations, OK, vous pouvez rentrer chez vous. Alors, ça va une fois, ça va deux fois. Ben, la troisième fois, les populations disent, bon, écoutez, vous nous faites évacuer, il ne se passe rien. Maintenant, on ne veut plus évacuer. Et donc, un des buts, c'est d'essayer de renforcer la crédibilité du service volcanologique en améliorant la qualité de leurs prévisions. Et notamment en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que ces crises sismiques. Sekarang uang di Prancis tidak franc lagi, pakai euro. Euro, ya. Satu euro berapa rupiah? Satu euro kira-kira 15.000. Ya, memang. Bahasanya sama? Bahasa sama, ya. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis sama. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia. Oh, berapa bahasa? Ada lima? Lima. Dès qu'il était pensionné de chemin de fer, donc il pouvait voyager gratis, il habitait à Bandung, il me demandait qu'est-ce que je faisais comme boulot, il me demandait le prix du billet d'avion pour l'Indonésie depuis la France, il me demandait si la fille d'avant c'était ma petite amie, il me demandait s'il y avait encore mes parents, il me demandait combien j'avais de frères et sœurs. Quoi de couille est passé quoi. Nathalie, elle m'a proposé de porter la batterie de voiture, mais c'est vraiment très lourd. Hein. À l'Etna, le premier jour, j'arrivais pas à la suivre. Qu'il était malade, il était pas bien, il avait une enfant. J'avais un petit rhume et un gros sac, mais quand même, à la fin, sur le dernier bout sur le col sud-est, elle m'a abandonné. Elle était 50 mètres devant moi et moi,
Moi j'avais un peu dur et elle. Ce serait bien d'avoir un peu plus de résultats obtenus avec la caméra SO2, et pas simplement le Turrialba, où les données sont excellentes. Bon. Mais ce serait bien d'en avoir un petit peu plus, mais rapidement, parce qu'il doit maintenant publier les résultats de sa thèse. Et donc c'est difficile de finir la thèse dans les délais et en même temps d'avoir plein d'articles publiés. Et en général, on fait la synthèse des données de la thèse à la fin et on publie après. C'est le seul moyen qu'ont les scientifiques de montrer qu'ils font un travail qui est intéressant, c'est par la publication. Ça va. Tout fond, 6 heures de train, c'est long. C'est super ben là-haut. C'est vraiment impressionnant, surtout par rapport à ce que c'était avant. J'aurais jamais espéré faire le Merapi avec ma copine, parce que c'est quand même une ascension qui est pas vraiment simple. Et là, faire ça avec elle, c'est quand même merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est important de faire des mesures de SO2 au Merapi, parce que l'éruption de 2010 a été totalement différente de toutes celles qu'il a fait pendant un siècle. Elle a sorti énormément de SO2 d'un coup, et c'est important de voir si depuis cette éruption très différente, le comportement du volcan a changé, si c'est toujours un système ouvert qui dégaze 200 tonnes par jour comme c'était avant, ou bien si le cratère est bouché et où il n'y a plus de SO2 qui sort. Donc ça servira aux Indonésiens pour comprendre comment fonctionne leur volcan depuis cette éruption. Le Merapi, c'était super. Oui. Il était bien dégagé alors. Ça a changé. Énormément. Donc, c'est tout le sommet là où on campait. N'existe plus. La pointe. Il a perdu en altitude. Ah, certainement. Oui, certainement 50 mètres. La pointe, par exemple, que les Indonésiens appellent Puncak Garuda, qui est une aiguille de lave un peu inclinée, tout ça n'existe plus non plus. Ça a été soufflé aussi. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire passer la deuxième? Mais oui, on gagne du temps si on passe. Ouais, okay. Bon, il faut que tout le monde pousse. Tu te souviens de la première fois que tu es venu ici? C'était comme ça? Je suis monté avec un cheval, c'est des petits chevaux javanais, avec une selle en bois. Je suis parti de Saint-Paul. Après une heure, j'avais les fesses en compote. J'ai marché à côté du cheval, puis j'ai rencontré la rivière Asit. Il y a une rivière fraîche, j'avais tellement chaud, j'ai pris ma casquette. J'ai pris la rivière Asit, je l'ai mis sur le crâne, ça a commencé à piquer. C'est en 80, pardon. 79, c'était le Merapi avec l'équipe Taziev. Ici, c'était 1980. Je faisais ma thèse de doctorat au Merapi. Mais j'avais entendu parler du lac et donc je voulais venir voir. Satu porteur, Tas et Prahu, Tidaberat. Quand je dis qu'il est Tidaberat, il est quand même un peu comme ça, Tidaberat.
Il ne sera pas. Voilà, allez, c'est bon. Ici, c'est pour moi un challenge, donc d'arriver à réussir à équiper ce lac de capteurs. On va essayer de construire une bouée, probablement en bambou, et on va essayer de la fixer au milieu du lac. C'est un challenge pour cette étude. Une fois tous les 3 ans, prélever un échantillon d'eau, mesurer la température, le pH, puis on repartait. C'était une mesure très ponctuelle. Et on va apprendre énormément si on réussit à faire des mesures en continu. Mesurez bien, madame. Le CO2, c'est en haut. Ah oui, ok, bon, ça va, oui, non, ça va, j'ai oublié. Pour finir quoi? Le flux. Ce qu'on cherche, c'est des grammes par mètre carré, par seconde. Donc barre. Oui. Pour bien surveiller un volcan, il faut certainement plusieurs méthodes. On ne peut pas se baser uniquement sur la sismique. La sismique peut apparaître plus tard que certains précurseurs gazeux. C'est ce qu'on a vu au Kelout. On avait une augmentation du flux de gaz carbonique 2 mois avant que l'activité sismique ait commencé à se développer. Donc ils sont certainement intéressants parce qu'ils peuvent être plus précoces, les précurseurs géochimiques, que des précurseurs sismiques. Bon, c'est qu'un exemple, on ne peut pas non plus généraliser et dire ça va marcher sur tous les volcans. Il faut clairement plusieurs techniques, la sismique, les déformations, mais aussi la géochimie. C'est pas si facile de prévoir ce qui est en train de se passer sous un volcan. Donc il faut rester fort modeste et ne pas se dire voilà, on a tout compris, donc il faut mettre le plus de chances possible de son côté pour faciliter l'interprétation. Et la géochimie est certainement, quand on a un lac volcanique, quelque chose de très intéressant. L'agitation du lac diminue et donc il y a moins de CO2 qui se diffuse du lac dans l'atmosphère. C'est un mélange gazeux qui est stable à haute température et qui, quand il se refroidit, n'est plus stable. Et donc H2S, c'est l'espèce réduite, réagit avec SO2, espèce oxydée, pour former du soufre natif qui est à l'état d'oxydation intermédiaire. Et en fait, les tuyaux qu'ils ont installés sur la zone de fumerole servent à refroidir le mélange plus lentement pour que la réaction soit plus complète. Si c'était déchargé directement dans l'atmosphère, la réaction serait trop brutale et donc le soufre qui se déposerait sous forme de microparticules de soufre natif, mais dispersé dans le panache. Tandis que les tuyaux permettent de refroidir le mélange lentement et donc de passer par le soufre liquide qui coule le long des parois des tuyaux et qui goûte à la sortie des tuyaux et qui fait ses stalactites de couleur orange. Quand il se refroidit encore plus, il passe de la couleur orange foncé à la couleur jaune que tout le monde connaît. C'est la dernière fois que tu voyages avec Alain ? La dernière fois ? Bon. Ah, je sais pas, j'ai pas pensé à ça.
Peut-être, peut-être pas, non, je sais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce que ce sera après. On ne parle pas assez des gens, mais bon, et du danger. C'est, en fait, on est ici aussi parce que, en cas d'éruption, il est clair que les 30 millions de mètres cubes de ce lac vont être expulsés. Ça va sortir côté pente et à 15 km de distance, à 1000 mètres plus bas en termes d'altitude, on a un village qui va être balayé par une coulée de boue qui va être créée, qui va être très importante par l'éjection de ces 30 millions de mètres cubes. Ça peut être une éruption phréatique. Bon. Et c'est extrêmement difficile actuellement de prévoir des éruptions phréatiques. Les magmatiques, si le volcan est bien équipé, on est capable de prévoir suffisamment longtemps à l'avance l'éruption. Des phréatiques, moi je ne suis pas sûr qu'on soit capable de les prévoir. Mais quand on voit les fissures et l'érosion qui est quand même très importante, même l'érosion due à la pluie, on se dit, mais il suffirait de pas grand-chose pour que ça s'éboule. Si ça part, ben on a aussi la vidange du lac, au moins partielle. Donc c'est quand même très difficile d'évacuer un village où il y a quelques milliers de personnes en déclenchant une alerte en pleine nuit à 2h du matin. Il y a des vieilles personnes, il y a des enfants. La route pour quitter le village est absolument épouvantable. Et il n'y a de toute façon pas assez de véhicules pour pouvoir évacuer tout le monde en une demi-heure. Donc je pense que c'est la conclusion peut-être de l'étude, c'est que une évacuation est irréalisable, même si on met un système d'alerte et que les gens ou la population qui habite le village de Blawan sont prévenus par une sirène, ils n'auront probablement pas le temps d'évacuer. Mais bon, on va faire un rapport et dire aux autorités indonésiennes, voilà la situation. Donc c'est à vous de prendre vos responsabilités. Mais il y a un risque qui est manifeste, qui est évident, bon, parce que le lac a 30 millions de mètres. C'est peut-être trop tard pour aujourd'hui, mais alors faites des essais. On est là pour 15 jours. Donc faites des essais pour voir si tu vois du SO2, te familiariser avec le panache, les concentrations. Même si ce n'est pas exploitable, tu vois l'objet que tu dois étudier. Oui. Et ce n'est pas du temps perdu, ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas de CO2 ? Non. C'est le background alors, 400 ppm ? Oui. Oui. S'il n'y a pas là du SO2, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Donc, on s'est aussi intéressé à une autre crise éruptive récente, c'est celle de l'Eyjafjallajökull en Islande, qui a été en fait, c'est une séquence d'éruption assez complexe, donc qui a été déclenchée par une montée d'un dike basaltique, 5 minutes. Bon, je vais passer alors sur le mécanisme de l'éruption de l'Eyjafjallajökull. On en arrive aux conclusions de cet exposé. On a montré que Aster était quand même un senseur efficace pour mesurer le dioxyde de soufre et fiable. Les mesures se comparent bien avec les données depuis le sol. La comparaison avec OMI a montré qu'il produit des performances similaires à OMI en termes de détection et de mesure du dioxyde de soufre et qui possède vraiment une forte complémentarité avec OMI. Dans les cas où Aster est moins bon, OMI est meilleur et inversement, les cas où OMI est moins bon, Aster est meilleur. Aster aussi permet de mesurer le flux de dioxyde de soufre la nuit, alors qu'OMI ne marche que la journée. Et alors, le travail qu'on a fait au Turrialba montre l'apport que peut fournir l'intégration des méthodes satellites et des méthodes aux méthodes qui sont traditionnellement utilisées depuis le sol pour mesurer le dioxyde de soufre. Ça coûte moins cher de mesurer par satellite, parce que le satellite existe déjà, il prend des images. Et donc, je pense que le futur des mesures de dioxyde de soufre sur les volcans est multidisciplinaire. Voilà, merci. Bon, maintenant, un commentaire général. Je pense que c'est un travail qui est excellent. C'est
un résultat qui est quand même très important, de pouvoir concilier deux domaines qui sont fort différents, qui est le domaine de la spectroscopie moléculaire, du domaine du satellite et la volcanologie. C'est assez rare de trouver des personnes qui sont capables d'aller aussi loin, aussi vite, en si peu de temps et en coûtant très peu d'argent. Parce que c'est une thèse qui m'a pas énormément coûté. Ça peut sembler être du brol, sa caméra, mais le résultat que vous voyez pour le moment, il y a 3 ans, je crois qu'il y avait très très peu de gens qui étaient capables d'obtenir un résultat similaire. Merci pour tout ce travail. Ouais, en ce moment il y a beaucoup de possibilités, mais c'est pour détecter les cendres, pour la sécurité aérienne et tout. Moi c'est quand même pas mon objectif principal. Moi je veux m'intéresser aux volcans, quoi. Donc ça c'est un petit peu plus dur, mais un des gars du jury, c'est Prata, celui qui n'était pas là, il a dit que peut-être qu'à la fin de l'année, il aurait des crédits pour faire de l'exploitation de la caméra SO2. Lui aussi, il est dans le domaine des caméras SO2. Il a beaucoup aimé mon chapitre là-dessus, et donc il a dit... Le jury a délibéré. Je dois dire, je dois mentionner quand même que les membres du jury ont fort apprécié les travaux de Robin et nous sommes ravis de lui accorder le titre de docteur en sciences. Vous avez tous compris qu'il avait le sens commercial. Il a aussi le sens de l'ordre remarquable. Donc j'ai la réputation d'avoir un bureau qui est complètement désordre. Et là, je suis, après cette thèse, complètement décomplexé. J'ai trouvé mon maître. Il faut voir la comparaison, moi c'est nickel maintenant. Alors c'est aussi un candidat tout à fait particulier, c'est un vrai volcanologue, ça veut dire qu'il pense volcan, il mange volcan, il dort volcan. Ce qui fait qu'il est d'une distraction légendaire, tous ceux qui l'ont côtoyé le savent. Et il a plein d'amis en fait, et ses amis sont tous les serruriers de Bruxelles qui ont décidé... Vu le nombre de clés qu'il a dû faire refaire, qui ont décidé de lui ériger une statue, c'est un scoop, une première mondiale. Mais malgré, je dirais, cette distraction légendaire, il parvient, en un temps record, à produire un travail scientifique qui est, je le souligne encore une fois, remarquable. Merci. Il y a 2-3 ans, j'ai fait un igloo et j'ai dormi en igloo à l'Etna. Tellement, enfin, papa était là d'ailleurs, il a aussi fait ça déjà. Quoi ? Dormir en igloo sur l'Etna. Ah, c'était une expérience inoubliable. Surtout quand on voit comment on l'a construit. Avec la statue de Noski. Ah oui. Donc l'Etna, oui, c'est mon préféré. Et puis l'Etna en éruption, c'est quand même un spectacle... Inoubliable. Incomparable. Ouais. Vraiment. Moi, je suis pour rien. Je suis pour rien. Vous l'avez quand même élevé quelque part. J'ai été sur l'Etna avec lui quelques fois. Et prêt à repartir d'ailleurs. 3 fois on a été ensemble. 4 fois. 4 fois. 4 fois. Et prêt à partir quand tu veux. Bravo. Bien, voilà. Merci. Merci.